On est toujours sur Twitch. Et d'ailleurs, c'est pas Power Love, non, d'habitude. Enfin, Power of Love, normalement, attention. C'est. Tire Forfia, j'ai toujours parmi Tire Forfia. Alors. J'ai rien remis dans mon truc, j'étais en train de faire. Du coup, le casque or, qu'on s'en fout en vrai. Ça se démerde, l'autre. Ah, mais c'est dans le coffre. du coup. Bon, une amulette ça peut servir. Ça, ça sert à rien, on stocke. On stocke. Stock. Crochetage et facilité. Je m'en fous un peu, on va pas se mentir. L'armure de l'âme, du coup, hop, on la garde. L'armure de la guilde des voleurs. La capacité de port augmente de 20 points. Non, c'est bon, laisse tomber. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a ton. Il est où ton problème d'armure, Varak? Ah, oui, j'ai vu taper, non, mais faut arrêter avec ça. Mais faut arrêter, mais en fait Varak il fait ça à chaque nouveau viewer qui arrive. Mais il fallait être là à une époque pour comprendre le délire. Voilà. Du coup bon c'est... C'est quoi le... À part que le col fait un cœur, mais sinon c'est quoi le délire? Je sais pas, où est le problème? Ah parce que quoi, c'est Pinitus ça qui te fait rire? Oculatus. C'est ça? Ouais Pinitus, mais alors c'est toi qui est bizarre. Ça ne fait rien personne ici. Non. Et on met ça comme titre? Non. Non, non. Furtivité. Augmente de 10%, ça peut servir. Mes bottes, oui, parce que là. Se dépasser silencieusement, oui. Les volatiles, oui. Botte de plate, on s'en fout vraiment. Bon, ça on va pas en revenir là-dessus. Et botte raffinée, oui. Hein. Bouclier des bonites, j'utilise pas de bouclier, donc je viens de te dire. Ah. Capuchon, oui. Une sorte d'illusion, non, on s'en fout. C'est juste pour le style, le capuchon. Casque de plate. Ah oui, mais c'est vrai qu'il me faut un casque, parce que j'ai pas de casque. C'est vrai ça. Bah, ça c'est bien, 43. Chapeau de bouffon. Particulièrement de 30%, c'est encore mieux. Collier d'argent, on s'en fout. Collier d'argent, on s'en fout. Dextérité, oui. Non. Ouais, pff. On peut l'équiper. Oui. Les arcs infligent, ouais, ça peut servir. Ouais, mais non, non, ce non. Bah, clairement, je non. Je sens pas. Gantelet, ouais. En pot de dextérité, c'est quoi comme bestiole à dextérité? Ça je garde aussi. Ça oui, je peux. Ouais. Et ça je range. On a perdu 100 kilos, on est déjà bien, non? Bonsoir Nakan. Eh, y a pas de soucis, hein, Varak vient à peine d'arriver alors qu'il fait part. Quoi? Merci beaucoup, Slim, pour le follow. Merci. Ça, je me lasse pas de cette musique. Mais vous avez jamais la même couleur, les gens. Follow pour Tomio, regardez Miaouz. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Traquer. Non, non, je peux traquer parce que j'ai marqué. Non, non, non. Par contre, putain, ouais, le follow ne s'active pas. Donc je suis désolé. Evie Slim, ton follow n'apparaîtra qu'après en haut. J'essaierai de voir ça à la pause. Des petits problèmes d'actualisation des trucs. Mais voilà, ne t'inquiète pas, ça apparaîtra. Parce que Varek, il. Il a, c'est un réac, hein, tu sais, dès qu'il y a du changement, il y a oui, non, quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon. Si, si, c'était méchant. Et le connaissant, pour l'avoir rencontré en vrai, c'est méchant. C'est la méchanceté incarnée. Non, non, je l'ai vu. T'as vu. Ah oui, non, oui, t'as vu l'alerte, mais en haut, tu vois, en haut, dans l'overlay, normalement, il y a ton follow qui doit apparaître en haut à gauche à la place de Moonwalker, mais ça n'apparaît pas actuellement. Des problèmes d'actualisation. L'alerte apparaît, mais il n'y a pas l'actualisation en haut, tu vois. C'est resté bloqué. Parce que même il y a Ken qui m'a follow hier, ça s'est pas apparu, c'est pas apparu non plus je crois. Voilà. Et je vais régler ça, c'est pas. Voilà. C'est comme quand on dit tu sors du coup. Bon allez. Le moulin en argent je peux le stocker, non parce qu'on a besoin de quête. L'émeraude parfaite, on s'en fout. Les émeraudes on stocke tout ça. Ça j'en garde une, ça peut servir, on sait pas pourquoi. Ça en vire. Bon, on est bien, non?
Grenat. Bien spirituel, il faut que je recharge parce que là c'est un bordel. Qu'est-ce que quoi? Quoi? Putain! Merci Lynn. Et bonsoir. Mais non! Mais putain, en plus, la semaine prochaine, il y a les alertes de sub. Merci beaucoup. Non mais alors toi, quand tu vas voir l'alerte de sub, tu... Voilà. Bonsoir Lynn. En plus, il y a une alerte de sub la semaine prochaine. C'est bon, elle est finie. Elle est finie. J'ai quelques réglages à faire. Logiquement, je m'occupe... Allez, soit mardi, soit lundi. Mais c'est bon, elle est faite. Parce que de toute façon, tu peux pas faire confiance à Modo. Ah, tu vois? Lui, il connaît. T'avais dit jeudi. Oui. Alors, je l'ai fini aujourd'hui. Mais voilà. C'était ça ou... Voilà. Je préfère faire un truc propre. Et je me dis, c'est pas la peine de faire ça à l'arrache. Personne va sub de toute façon aujourd'hui. Bon, voilà. Ça, c'était sans compter Lynn. Du coup, merci. Voilà. Et au pire, je jouerai l'alerte de sub mardi lors de mon stream. Et du coup, voilà, bon, extracteur d'essence. Ça peut servir, non? Bienvenue sur ce... Putain, mais... Ça a pas l'air de sub, mais espèce d'enfoiré. Espèce... Vous êtes des foutus trolls, putain. Mais du coup, je vais avoir une alerte de sub, personne va sub, me dit. Bon, quand même, le gars se sub, alors qui sait qu'il y a une alerte de sub la semaine prochaine, bordel. Vous êtes vraiment des trolls. Merci beaucoup, Arak. Ah là là, putain. Je sais plus ce que je vais faire. Ok, voilà. C'est un stream rangement. Incroyable. Ouais, c'est bon, on est à 243, c'est bien. Je vais récupérer ce qui m'appartient sur elle. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Bah... L'amabilité, quoi. De quoi avez-vous besoin? Putain. Alors. Tu te sers jamais de l'espadon, hein? Non? Tu te sers jamais de ça, bon, on va le reprendre. Voilà. Tac, tac, l'os de dragon, c'est à moi, merci. Les écailles aussi, c'est à moi. Ah, oh, il y a quand même une bonne armure, ça va, ça fait pas chier. Je file du bon matos. Ah, je reprends, merci. Hop. Passer devant. Casque, casque, bouclier orc. Merde, je sais plus c'était quoi. Il y a un oiseau qui me casse les croquettes. Tac tac. Ah, gantelet orc. Et c'était les os. Tac tac tac. Hop. Alors. Attends, je suis à moins 30 000 maintenant, c'est un truc de ouf. À moins de 30 000. Les dragons stockés. Et os dragon. Voilà. C'est bon, on peut aller. Finir cette quête. Ouais, c'est un truc de ouf. Ah, c'est là. Ah, forcément, au milieu de la pampa, quoi. Bah, c'était payé ici, parce que j'ai la flemme. Oh, Jojo, comment ça va bien? Bah, écoute, ça va. Ça va, écoute. Comment vas-tu? Ça fait un moment. Je vais me sortir, oui, ça fait 15 jours. Non, je suis venu hier. Décidément. Incroyable. Mais ce qui me fait d'ailleurs, ça me fait penser à ce que Jojo y passe. Hero disait que c'était fait un pote à propos de Noob sur mon Discord, et c'était YOLO, le pote en question. Et YOLO, c'est vraiment bah, l'époque de Jojo, même peut-être un peu avant. Et c'est ouf que des gars qui me suivent depuis 2 ans et qui sont pas forcément là sur tous les streams, tissent des liens d'amitié avec les nouveaux, incroyable. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Mais incroyable! Alors, attends, des gens qui ont leur... Leur brevet avec mention, le permis, bah félicitations. Toi aussi, maintenant, tu vas pouvoir te coltiner tous les abrutis de la route, hein, y a pas de raison. Bienvenue dans le club. Dans le club des gens qui conduisent, évidemment, j'ai pas dit que j'avais mon permis, hein. Non.
Le jeu est interminable quand tu crois. Oui, j'ai remarqué, oui, ça fait le 45e épisode, sachant que c'est pas un follow, c'est le... pas un let's play si tu préfères. Chez moi, j'appelle ça un follow. C'est pas un let's play, on le fait vraiment comme ça à l'arrache. Des fois, je joue en dehors, très rarement. Mais effectivement, on se balade et surtout qu'on discute. J'ai le bac avec pension, mais incroyable, permis de bac extraordinaire. Moi, j'ai mangé des chaussettes au moine tout à l'heure, c'était vachement bon. Tu me dis quand tu prends la route que je reste chez moi. Et on se fait une rencontre, on se fait un rassaut follower. Tout le monde ramène sa caisse. D'ailleurs, faudra qu'on voie, parce que je me suis un peu renseigné sur ta caisse de Varak. Et j'ai regardé le couple. Et quel rapport? Quel rapport? Un rapport que. Moi aussi, c'est passé un truc cool. Je suis un moine, c'est bon, non? Remarquez juste comment la barre de navigation de Skyrim arrive à très très bien matcher avec l'overlay de Varek. Regardez, c'est stylé, non? Alors, Jojo, tous ceux qui conduisent mal disent ça. Je vais avec la caisse des autres. Non, mais... Du coup, je me suis renseigné sur ta voiture. Et bon, je dirais rien ici. Mais j'ai vu le couple en fait. Et j'ai fait, ah oui, quand même. Juste, j'espère que t'as le moteur le plus puissant. Commencez pas à me juger. Mais ici, on juge. Enfin, si on était tous des gens cool sur ce stream, ça saurait quand même. Ici, tu viens, tu te fais forcément juger. Hein. C'est clairement pas un endroit pour être tranquille. Hein. Franchement, tu sais pas. Ok. D'accord. Oui, mon cheval. Putain, mais on peut même pas siffler son cheval dans le jeu. Ah. Ah. C'est demain, vous allez voir accident sur je sais quelle autoroute. Putain, ça me rappelle. Eh, c'est vrai qu'on faisait des sessions PUBG. J'ai cru que c'était un dragon, ça, les gars. C'était comme ça dans mon champ de vision. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était un foutu dragon, putain. Ouais, il se fout de ma gueule. Mais c'est dedans, quoi. C'est dedans, putain. Mais au secours, mais non, c'est dedans. J'ai encore cru voir. Je suis parano des ombres et des dragons, quoi. Ouais, c'était nimp, c'était tellement nimp. Peut-être qu'il y a une vidéo qui sortira sur YouTube où on essaye PUBG console. Ouais, batch. Ce sera pas vraiment une vidéo traditionnelle, hein. Ce sera juste une sorte de best-of. C'est tellement de la merde. Vraiment, c'est une catastrophe sur Xbox. Les dragons ceux-là, dans les campagnes, dans les villes. Bonne ref. Alors, j'ai pas essayé de plus en faire. C'est mon skill qui a décidé de plus en faire. Mais ouais, pourquoi pas? Il faut que je cale une session GTA, donc on pourrait caler une session. Il vient clairement de m'insulter, lui, non? Non? Ok. Le gars ne vient jamais. Il vient, il arrive en mode oui, moi j'ai le bac, moi j'ai le permis, vous êtes des merdes. Enfin bon, c'était quand même sous-entendu. Et il m'insulte. Ok. Bon, Varek, pas favoritisme. Hein. Putain, mais je suis Keblo dans des putains de. Je peux plus de cette ville. Ah, les gars, quelle ambiance. Quoi? Non mais... Merci beaucoup Anakad, merci. Mais non, mais faut se calmer. Non, 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 trop de sub, trop de... Non, 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 merci beaucoup. Merci. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Gamma face au dragon. Merci, hein, vraiment. Est-ce qu'il faudrait que je fasse une alerte de... Ah non, je peux pas changer les alertes des tiers, je crois. Là, je peux directement voir la vidéo comme ça, non je peux pas. Mais c'est vrai que c'est ça. Hey, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Quoi? Non mais... What the fuck? Bon allez, c'était sympa. Non mais merci, mais... Non mais... Putain mais what the fuck. Merci beaucoup Lynn. Merci. Merci. Ok, vraiment calmez-vous. Calmez-vous, c'est plus possible. Ok, j'ai acheté un jeu avec les dons, je suis déjà remboursé. Ouais, je suis populaire de ouf, incroyable. T'as de la... Parle pas de changer une autre alerte, eh, tu te calmes. Vraiment? Y'a peut-être une autre alerte que l'alerte de sub qui va arriver. Bon, à force que je l'ai survendu, vous allez voir ça, vous allez faire mes sérieux, autant de temps. Enfin, j'ai pas passé autant de temps dessus, en vrai, hein, j'ai passé quoi, 2 heures effectifs, hein. Il peut arriver, il touche un garde, fenêtre. Mais c'est... Quoi, Tsuna? Non, Tsuna! Bonsoir! Bonsoir et merci beaucoup!
Ça fait un mal que t'es pas passé, merci beaucoup. Bon, calmez-vous. Calmez-vous. Donc là, le père, il est dans les pommes dans un village, il m'en retire une flèche qui touche un quartier au final. Non, mais non, calmez-vous, s'il vous plaît. On est là, on est censé passer un autre jeu dans un quart d'heure. Hein. Je pense qu'on va faire moins de Unforcer. Hein. Gamma, t'as juste trippé tes viewers en un an, t'es chaud. En même temps, si le gars était un viewer, il a 3, hein, c'est pas non plus. C'est comme Varek, hein. Il finit sur le podium. Il y a 3 participants, quoi. Ah. Ah là là, putain. Bon, sinon on avance vachement bien dans le jeu. Hein. Et Jojo, ouais, t'as connu l'époque. T'as quand même l'époque connue. Enfin, connu l'époque Trackmania de ouf où on était genre 30. Mais c'était. Il y avait 25 personnes qui passaient juste pour l'hype. Alors, O et E1, c'est quand même meilleur argumentaire de cet été. Ouais, d'accord. Ah putain, non, clairement, merci beaucoup en tout cas à tout le monde hein, qui a raté les subs, les dons, les machins, c'est top. Okay. C'est possible à ce niveau-là quoi. Ça, clairement, j'ai pas assez de jeux à acheter, vraiment. Alors fais gaffe, tu vas te faire ban toi. Hein. Regarde, c'est toi le modo, fais chier. Mais c'est vrai que cette team-là, Jojo, Butch et tout, incroyable. J'ai quand même eu des 30 à l'époque de moi tout seul, puisqu'à l'époque de moi. Exactement. Ouais, mais les 30, c'était vraiment. On sait que c'était pas des réguliers, tu vois. Là en ce moment on tourne bah, plus ou moins une dizaine, c'est cool. Je sais, j'en ai été informé il y a juste. C'est plutôt sympa. C'est merveilleux. Des fois on monte même à 15, je sais plus quand on est monté à 15 et tout. Mais vous avez servi l'Empire, tout Amriel en fait. Et Tong le retour. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ah, mais vous vous souciez peu de politique, je me trompe. Bah ouais, c'était pas des vrais exactement. J'ai toujours dit, je préfère qu'on soit 5-6 tous les soirs plutôt que 40 un jour, puis après personne. De la salle où nous nous sommes rendus. Dans 10 ans, t'as 1500 viewers. Non. Maintenant, veuillez partir. Allez chercher votre argent et que nos chemins ne se croisent plus jamais. T'as dit re ? Grâce au Dieu, notre affaire. Ah ouais ? Non. Où ? Hein ? J'ai pas vu re. Attendez les gars, c'est trop. Toi tout seul, j'ai mis une paire de streams. Bah vraiment au tout début. Il y avait moi en fait. Non c'est grave. Sur Trackmania, je faisais Trackmania au début, donc il y avait masse monde. Après, oui, il y a des périodes où j'étais vraiment tout seul, même pendant 3 heures de stream. Hein. Et ça changeait strictement rien, hein, j'étais quand même là. Non mais il change de pseudo tous les trimestres. Et lui il doit avoir un truc à se reprocher en vrai. Ça se trouve il enfuit dans tous les états des États-Unis. Non les gars, j'ai loupé des messages. Excusez quoi dans 10... ouais, dans 10... Ah oui, justement, dans 10 ans, t'as 1500 viewers. Justement, d'après les... Vous connaissez Social Blade ? Social Blade, c'est un site qui font des statistiques sur les chaînes YouTube, Twitch, etc. Bon, c'est souvent pété, mais voilà. Et en fait, ils font des prévisions selon ton nombre d'abonnés que tu prends chaque jour. Et du coup, d'après Social Blade, sur YouTube, tu seras à 500 abonnés en 2024. Avec... Avec ce rythme-là. C'est drôle. C'est très drôle. Je ne suis pas stupide au point de me jouer de vous. Ah ouais, quand même. Metz. J'ai toujours des gens à aller voir, c'est du côté de Metz d'ailleurs. Alino, si tu nous regardes, t'es pas là, hein, sale enfoiré. Je me permettre parce que lui aussi c'est un ancien. Je vais sur ces albettes, je crois qu'on peut regarder les... Je stream pas en cacahuète, hein, je suis désolé. Il hein. Y a des gars qui se follow pour Skyrim, en fait on fait pas du Skyrim. Twitch, on va rentrer avec Gamaliel, on va voir ce que ça dit. Est-ce qu'il y a des prévisions pour Gamaliel ? Twitch. On peut même voir Twitter. Attends, je suis quasi à 3400 tweets. Alors, Twitch, je suis en C, ou C moins. Je suis la 530 millième chaîne. Et je suis 340 000 au niveau des vues. Ah, j'ai perdu un follower d'ailleurs le 7 juillet. Ok. D'ailleurs, bon, il est pas à jour. Du coup, est-ce qu'il y a des prédictions ? Il y a des prédictions, les gars, il y a des prédictions. Alors, d'après Social Blade, je serai à, on va dire, 500 followers en 2022. Le 11 mars 2022, ça va. Ou le 3... Je sais pas dans quel sens c'est. J'arrive pas à savoir dans quel sens c'est, là, alors ça l'a pris, là.
Bon, le 11 mars ou le 3 novembre. Et c'est dans le sens... Oui, si c'est ça. C'est le 11 mars. Voilà. On verra hein, dans 2 ans et demi si on est vraiment à 500. Comme tout est stream. De me faire cramer. Non, t'inquiète, Tong, ici. Le stream est pas surveillé par la NSA. C'est le seul d'ailleurs. Vous savez d'ailleurs que c'est le seul stream qui est pas surveillé par la NSA ? De quoi s'agit-il ? Ah, vous autres assassins et vos devinettes. Juste un truc, est-ce qu'on peut le tout ou pas ? Parce que je suis censé le buter lui. Non, parce que c'est bien mignon en 2054 quoi. Galad, bonsoir à toi. Bienvenue, désolé, c'est le foutoir. Il sort d'après mes prévisions, je dirais 2022. Sur PS5 et la prochaine Xbox. C'est mes prévisions, hein, c'est juste moi comment j'anticipe le truc. Hein. Donc je dirais fin 2022. Allez, octobre. J'avais déjà fait une prévision. Putain les gars, vous allez trop vite. Là, je veux pas back scroller. Je serai sur Metz, nanana. Metz à 1 heure de Gare de l'Est, t'es sûr de toi? En TGV. En TGV, oui. Et déjà le temps qu'il accélère et qu'il freine le TGV, t'es. Non, pas en 1 heure. Donc tac tac. Ça fait un jeu comme TES5. Avec la qualité de Dark Scroll, c'est compliqué. Ouais, c'est... Off. Ouais. C'est un peu plus combat et moins RPG, non? J'avoue, j'ai fait que la démo. On pourrait dire The Witcher, parce que mais The Witcher, tu crées pas ton perso, malheureusement. Ça dépend, si tu veux créer ton perso, ça va être compliqué. Si tu veux juste suivre l'aventure de quelqu'un, c'est plus facilement trouvable. The Witcher, c'est clairement un Elder Scroll, sauf que tu suis l'aventure de quelqu'un. Tu n'incarnes pas ton personnage. Donc... Mais c'est jouer à The Witcher direct. Après, en qualité un peu moindre, il y a Two Worlds 1 et 2. Bon, le 1, je le déconseille, il est bugué de ouf. Le 2, peut-être. Du médiéval fantastique, quoi. Tu veux des dragons, des chevaliers, de la magie, des trucs comme ça, quoi. Bon, du coup, sinon, on le bute pas. 1h20. Oh, pour l'amour de Mara. Vas-y, en avion. Allez-vous-en, je vous prie. Comment ça, allez-vous-en? Quoi? Bon, le but ou... Oh, pour du chipote. Mara, allez-vous-en, je vous prie. Dragon Age, oui, Dragon Age, exact, Dragon Age. Mais pareil, Dragon Age, c'est assez dirigiste. Hein. Dragon Age, on va pas se mentir que c'est un Mass Effect dans le médiéval fantastique. Je viens de check, il va pas me dire que c'est plus long. J'ai pas dit que c'était plus long. Ouais, bah, il y a beaucoup en fait, vraiment. Le truc... Vous savez quoi, je vais sauvegarder parce que je sais que je vais me faire repérer. Alors je suis obligé de tuer quelqu'un pendant que je vous parle. Donc si tu veux du médiéval fantastique, c'est assez facilement trouvable. Il y a vraiment que si tu veux créer ton propre perso d'une façon aussi complète qu'à Dark Scroll, c'est un peu compliqué. Mais médiéval fantastique, il y en a une tonne. Guild Wars, on laisse un mémo. Peut-être qu'il aime pas les mémos, peut-être qu'il veut du solo. On n'a pas, on sait pas. Des jeux comme le Seigneur des Anneaux, malheureusement... Bah ici il y a celui où tu joues une sorte d'assassin. Mais l'ombre du Mordor je crois. Solo tête sous. Quoi? Hein? C'est... Alors, le gars il a des tics de langage quoi. Pour l'amour de Mara, allez-vous-en, je vous prie. Oh et puis merde. Mais nous avions un accord. T'es mort, tu peux pas parler, t'es mort. Fais gaffe, tu vas renverser le fromage. Fermé. Hop. Merde. Hey, hey. Ah, merde. Oh, et puis merde. Le tir âge. Ouais. WoW, c'est un MMO, en fait. Mais effectivement, WoW, c'est la ref en MMO depuis le temps. Surtout qu'il y a WoW Classic qui est sorti, là, qui offre une qui offre une expérience proche de la version originelle, sans tous les contenus qui sont arrivés après. Sauver ce fromage, non bon, ils sont tombés. Un diamant, un grenat, un rubis, un saphir, un émeraude. Les vêtements... Quoi cette position?
Non mais tiens-toi un peu. Arrête de te rendre intéressant là, lève-toi. What the fuck? Oh, je suis fantôme. Putain de merde. Allez, on se calme. Assis-toi. Bois de l'eau. Oh vas-y, faut que tu mets pas du tien aussi, c'est relou. Hop. Ah, c'est bon. C'est du bleu, c'est immonde, t'es ouf, c'est trop bon le bleu. C'est pour ça que c'est ma couleur préférée. Le vert aussi, mais le vert c'est moins bon. Un petit coup d'acide. Du coup, Galad, est-ce que tu cherches un jeu solo ou est-ce que tu cherches un jeu avec du monde en multi? Déjà en premier lieu, pour savoir vers quoi t'orienter. Il y a beaucoup beaucoup de MMO, même free-to-play qui sont dans le Medieval Fantastic. Mais si tu veux un jeu solo, vu que là tu parlais de, comme Elder Scrolls, Elder Scrolls c'est typiquement solo. D'ailleurs, il y a la version MMO, justement, si t'aimes beaucoup, enfin si t'aimes les MMO ou les jeux multijoueurs, bah t'as Elder Scrolls Online. Donc c'est un nouveau Elder Scrolls, et c'est exactement comme Skyrim, avec tous les terres de Skyrim, Morrowind, etc. Fable, ouais. Effectivement. Vous aimez l'arc, hein. Moi, je crois que tu connais pas le véritable fromage, on est d'accord. J'ai mis des grands motos dont le bleu, moi je trouve ça immangeable. Ah, tu trouves ça immangeable? D'accord, mais c'est pas immonde. Tu vois la différence? Comme si je te disais, tu vois, ta voiture est bidon. Non, tu la trouves bidon. Cette voiture, ça va devenir une légende aussi. Mais c'est vrai que j'ai tapé des barres quand même quand j'ai regardé le couple. Vraiment. Hein. C'est... Voilà. Possiblement, quand je pédale fort sur mon VTT, j'ai plus de couple, tu vois. Elle l'est... Non, elle l'est pas du tout. Carrément pas. Un pour cent, ça va pas aller loin. Vraiment. T'as juste quoi de. À la rigueur, tu peux, si tu veux, investir tes tartares dans un compte épargne pour une voiture, mais. Par exemple. Bon, du coup, j'en étais où avec mes prévisions? Ils me font taper des barres quand même. En fait, ça change de ouf parce que. J'aurais regardé les prédictions à une époque où je prenais pas mal d'abonnés, genre tous les mois par exemple. Enfin tous les jours j'en prenais, à chaque fois je streamais. Par exemple, entre janvier et juillet, je me suis pris 60 followers quoi. Voilà. Passe du coq à l'âne. Exactement, c'est à peu près ça. Bon, on est bien là, non? Ah là là, je sais plus ce que je voulais faire avec vos conneries. Ok, d'accord. Tac. Tac. Faites des gros dons. Tac 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 tac. Hop. Hop. C'est quoi qui a fait du bruit là? Qui a laissé sa merde ici là? Au début j'étais sceptique. Mais maintenant c'est évident, les vieux disent le relief c'était pas loin de l'entrée comme ils disent. Maintenant je sais. Les deux clés doivent être cachées à proximité, réplique cérémonielle, dingue, dingue. Bien préféré, dingue, 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 ta. Et pourtant, je vous ai dit pour entreprendre cette expédition, j'aurais dû penser. Et on est parti sur quoi, les gars, là? Ok, merci beaucoup, Wilslim, merci d'être passé, merci pour le follow. Et n'hésite pas à repasser la semaine prochaine à partir de mardi. T'as tout ce qu'il te faut dans la description. Si t'as envie de voir ce qui se passe sur YouTube, Instagram, Twitter, etc. etc. Je t'oblige à rien, mais t'as tout qui est en bas. Pour voir un peu ce que fait le chat en dehors du stream. Mais encore merci d'être passé. Ouais, j'ai essayé de le placer Hero, mais j'avais pas trop comment le placer. Et du coup je fais non. Et je voulais prendre les notes. Mais on est sur quelle quête là, on est. De l'or. Moindre petite piécette. Je veux de l'or là. Ok. Quelle est cette quête? Pourquoi ça sent le sapin encore? Ah, what the fuck? Comme quoi? Et du coup, ouais, Slim, si tu veux repasser, c'est à partir de mardi. Mardi, mercredi, jeudi.
20h23, voilà. On fait un peu de tout. Périm, jeu de caisse, jeu de merde. Jeu de caisse de merde. Ça sent le guet-apens. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Oui. Quand même. Hitman. Exactement, la semaine prochaine, Hitman. Tout à fait. D'ailleurs, il me faudrait bien de balancer une petite journée, Marc. Ça sera bien, tu vois. On va pas se mentir, mais... Là, il y a des flèches là-dedans. Et où le piège? Il y a un piège, ici? Bizarre. Il y avait juste un squelette à l'entrée, quoi. Théoriquement, il faut ressortir. Je vais le regarder, ouais, bonne blague. Oh, si tu tiens pas à avoir du Hitman, moi je m'en fous. 2 heures de Hitman, vraiment ça va être compliqué, 2 heures de Hitman. Est-ce qu'on se mettrait pas comme toi une petite playlist en fond pour faire du Hitman? Mercredi ou jeudi? Mercredi, je fais de la petite stream TV, donc jeudi. Je peux inverser, mais... En fait, je voulais faire le planning demain, tu vois, comme ça c'est fait. Mais si tu préfères attendre... Jeudi? Ok, d'accord, nickel. Jeudi 20h22, évidemment, le début de soirée. On va chiller sur un autre truc après, parce que sinon... Donc ça va être drôle. Tac. Nazir, c'était pas celui qui était bugué de l'autre côté, hein? Putain, un truc qui me gratte à l'oreille, deux secondes. C'est horrible. C'est mieux. Beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, voilà. C'est infernal, les poils qui se recourbent et qui repoussent dans l'oreille, c'est horrible. Depuis que je porte un casque, du coup, ça rabat les poils contre l'oreille. C'est... J'aurais besoin de me détendre après les deux. Ok, d'accord. D'accord, héros. Ok. On va essayer de faire ça, du coup, d'une pierre deux coups, si je puis dire. Prendre mon cheval, quand même, que ce soit utile. Avec ma toque de cuisinier, putain, les gars. Je suis la honte de bord de ciel, quoi. Non mais le gars, il... Pourquoi il est reculé dans... Est-ce qu'on peut traverser ici? Faut que j'aille se mettre dans des coins pas possibles, quoi. Exact. Putain, c'est toc. Encore une grotte à la con. Ils peuvent pas s'en empêcher, les mecs. C'était quoi ça? Tout le monde a vu ça. Ça a duré bien trop longtemps comme bug. Bon bah ça part pour un clip ce soir sur Twitter, hein. Clairement, hein. Pourquoi j'ai juste pas dit changer? Parce que tu veux te faire passer pour plus jeune que tu n'es. Ah putain. Ça faut que je remette mes clips instant là. A chaque fois que j'appuie, je peux faire un clip de 30 secondes. Je nie mon âge. Bah ouais, bon. Il faut affronter, hein. Quand on voit l'âge de ta voiture, tu te dis bon. Ah putain. Mais en vrai, tu sais, j'ai fait des recherches hier. Merci beaucoup. C'est de l'évaluation qu'on apprécie. Bah oui, je me doute bien. Je crois que du coup, elle a été achetée le jour de ta naissance pour te faire. Pour fêter ta naissance, du coup, pour te faire un cadeau. C'est sympa comme attention. Alors. Je re-regarde quand même mon cheval volant parce que c'est. En fait tout se passe bien, pourtant je faisais rien, pour une fois j'ai rien provoqué. Je suis là, tranquille, tagada tagada, bon voilà. J'ai un cheval, de la neige, tout va bien. Encore une grotte à la con. Voilà. Bon j'essaye de côté ça, parce que bon voilà. Hop je tombe, tout va bien. Merci beaucoup pour le clip, du coup ça repart en... Ça repartira sur Twitter, je sais ce que je vais mettre dessus. Ouais non, elle est carrément plus vieille, t'inquiète pas. Elle est très très vieille. Enfin très très vieille, il y a plus vieux mais...
Bah, je vais pas le dire là, tu vois, je vais pas dire parce que ça reste. Hein. Mais ouais, voilà quoi. Non, je pense pas. Je pense pas que je vais mettre ça. Je prends. Et j'ai lu quand même Nick de bord de ciel, quoi. C'est un truc de ouf. Je prends tous les livres, j'adore ça. Je m'achète une bibliothèque d'ailleurs. Faudra qu'on se prenne une session. On aménage mon intérieur. Et calmez-vous sur les vannes. My Little Pony, non, non plus. Oh, c'est beau. C'est beau. Faut voir ça si on le voit de l'extérieur, par exemple, tu vois. C'est bien mieux de mettre des trucs comme ça. Quelle vanne ? De rien. Je préfère juste en. Ouais. Surtout vu que t'es là, donc. Langue de dragon. C'est juste parce que ça s'appelle langue de dragon, je prends. Je vais n'importe où. Et quand même 4 fois informé Nazir. Non mais on sait tes remarques cheloues sur certains jeux, tout ça. Ah, au fait les gars, la nana d'hier dans Undercover, c'est effectivement une chanteuse, hein, je vous l'ai dit. Et je sais ce qu'elle chante. C'est, je vous donne le titre. J'ai pas tapé hier. Et tout le monde va connaître. De quoi, je vous envoie le lien dans le chat, vous vous démerdez. Hop. Et là tout le monde va se dire, ah oui c'est elle, incroyable. Bon par contre je veux pas de ça dans mon stream, hein. Hop hop hop. Chut. Chut. Sauter. Voilà, et du coup c'est elle. Ouais mon chat, easy. Tac. Voilà. Normalement c'est le bon lien. Non mais c'était pas toi, c'était toi? Non c'est pas toi. Bon. Et du coup là, et en fait on connaît tous cette musique, enfin je pense. Je vais prendre le livre, putain. Ah! Tu vois? Le alors, fameux Nazir. Parlez-moi de l'empereur. Vraiment? Vous ne pourriez pas nous apporter voilà. De plus merveilleuses nouvelles. Bon, ça arrange tout. Les récents événements, c'est un grand jour pour nous. Eh, j'en peux plus de vos malheurs, vous êtes toujours fidèles. J'en peux plus de vous. Vous nous avez tous sauvés et pour cela, vous avez mon éternel. Non, y a pas de souci. Mais je suis curieux. Y a pas de souci, la mort de l'empereur. Mais toi aussi. Combien motière a-t-il payé pour un tel acte? Pas assez cher. Ah, c'est tout. Bah ouais. Vraiment. Bah ouais. Allons, vous n'allez pas me faire croire ça. Ah la si. La vie de l'empereur vaut bien plus. Bah non. Les temps sont durs. Hein. Un empereur vaut au moins 2 fois cette somme. Bah ouais, ce bon. Ce potier n'est qu'un maudit pingre. C'est dommage. Hein. Bref, voici mon conseil. Allez à la souricière de Faillaise et trouvez ouais. Elvin Mallory. Si je ne m'abuse, Astrid vous a demandé d'aller le voir auparavant. Mallory est un expert quand il s'agit d'obtenir des produits. Nous pourrions utiliser cet argent pour réparer ce sanctuaire. Il n'y en a pas pour attraper l'autre. Il est digne de ce nom, vous voyez. Du coup, ça m'a servi à quoi de mentir? Même pas, il s'est dit, bon, tu sais quoi, allez, j'ai un peu pitié, vas-y. Prends 300 pièces d'or, va t'acheter un kebab, tu vois. Même pas. Évidemment qu'on connaît, non, on sait pas, tu vois. Et elle me disait quelque chose, et ouais. Mais j'arrivais pas à remettre un son. Et voilà. Pas forcément ce que j'écoute non plus, mais... Je m'en lasse pas. Du coup, ouais, quel intérêt de mentir? Je sais pas. Je pensais qu'il allait allonger la monnaie, mais en fait, non. Ce gars, en plus de bugger. Quoi? L'empereur Titus Médée 2 est mort. Mais Titus Médée 2, c'est vrai. C'est cool, non? C'est tout? Mais c'était un cours. Travail ne fait que commencer. À passer dans la tunnel. Approchez et écoutez-moi, oreille noire. Ouais, mais.
C'est où? Calmez-vous quand même ou quoi sur les quêtes hein. Approchez-vous de la mer de la nuit. Mais elle est où cette... Mais what the fuck? Attends, 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 il y a trop de quêtes encore. Il est quelle heure? Il est 11. On avance encore. Alors, tac, tac. Voilà. Bon, la mer de la nuit, elle est où là? Il l'a rangé où encore? Ça sert à quoi ça, les gars? Quel intérêt de faire un couloir? L'intérêt d'un couloir, c'est pour accéder quelque part, non? D'accord. Ah, elle est là, pardon, tant pour moi, je l'ai pas vu. Un autre enfant a prié sa mère. Ouais. Allez voir le client nerveux à l'auberge du Candélabre à Vendôme. Prenez l'argent qu'il vous remettra et tuez la cible. Signez notre contrat de son sang. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord, vous êtes les deux pires du chat. Ok, d'accord. C'est quoi? Comment ça vient faire? Voilà. On n'a pas non plus forfait limité, donc calme-toi. Hop. On va s'avancer sur cette quête. 22h12, ouais, c'est bien. Quoi? Non, mais fais pas le quoi, quoi. Fais gaffe à toi, hein, j'ai des preuves. Il y a toutes les VOD, hein, n'oublie pas. D'ailleurs, je sais toujours pas si elle est en ligne, la VOD de l'histoire du jardin. Ça j'adore, c'est une de mes préférées. Quoi? Oreille noire. Oh oui, c'est Cicéron. Quelle erreur de m'avoir épargné. Quoi? Vous pensez alors, non. Que je vous serai reconnaissant? Cicéron doit être l'oreille noire. Pas vous. Un peu plus de vous. Maintenant, vous allez mourir. Bah non, je peux mourir. Mais en fait. Je vous ai eu. Pourquoi il n'y a pas de mode en fait? Il y a un mode pour tout. Non mais si je fais cette tête, c'est à cause des joueurs. Cicéron est de retour. Pas pour tuer l'oreille noire, mais pour le servir jusqu'à ce que l'un de nous meure en l'honneur. Oui, ouais, le jardin c'est... Ouais. Et ami, il n'y a aucune preuve. Je parle de jardin, on va parler de jardin. Hein. Je vais faire chez moi ici, au sanctuaire. On parlait de texte de loi et de propriété. En plus, c'est totalement vrai. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Tout à fait, voilà. Alors, tac tac. On va se TP tout doucement. On peut se TP rapidement. On repartira de là. Pour une fois que je suis pas lourd, au niveau de mon inventaire. Et puis ouais, petite pause dans le forceur, on va chiller. On va essayer de faire deux quarts peut-être. Caméra bugué incroyable. Hello. Mais je crois qu'elle est... Je suis pas sûr. Je sais même plus où aller. J'aime bien le retexture. Mais soit elle est en privé, elle est sur YouTube. Eh, j'espère vraiment que je l'ai encore par contre. Hein. Hein, ça se trouve elle est déjà uploadée, elle est quelque part sur ma chaîne. De toute façon j'ai pas fait beaucoup de PUBG. Allez, on rentre dans l'auberge. Et puis, tac tac, voilà. Petite pause, je crois pas, ok. Dans ce cas, putain, je sais pas où il est. Petite pause et petit nom de forceur. Je sais pas si on fera 2K, on essaiera de faire 2K, on verra. Selon comment ça avance. Ok, on sauvegarde ici. Là, on avance bien. Il y a des stats dans ce jeu ou pas? Ah oui, juste à gauche. Évidemment, juste là, quoi. On voit même pas à quel pourcent du jeu on est. Y'a pas de pourcentage? J'ai passé 68 jours, loup-garou, quoi? 150 découvertes, donjon terminé, jour écoulé, repasser à dormir, 10. Repasser à attendre, c'est pas possible, j'ai passé peu moins de la moitié, bref.
Allez, dans un coffre, je fête mes 400 coffres forcés. 94 accomplis. 652 personnes tuées. Incroyable. On s'en fout. Bon, sur ce... j'ai même pas besoin de cliquer, j'ai vu. Ça me fait penser à un personnage. Sur ce, je reviens dans quelques minutes, la petite pause dans le forceur, tout ça. On va essayer de passer un grade, mais je pense pas qu'on puisse. On verra bien, on va chiller tranquillement, voilà. On fera des tours de quartier. Ok ? À de suite.